Bismillah wa kafa wa salamun ala ibadi alladhina astafa. Assalamu alaikum. Bonsoir. Est-ce qu'en perdant les valeurs supérieures, on peut conserver sa dignité humaine? C'est impossible. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit c'est-à-dire lorsque Dieu nous a donné cette dignité-là, cette valeur-là, qui nous sépare et qui nous fait distinguer des autres créatures, c'est-à-dire regardez bien la nature, elle n'a pas la dignité qu'on a. Même si certains disent que la nature, elle est vivante sur le plan spirituel, même si on accepte ça, est-ce qu'elle a une dignité? Elle a une valeur, mais elle n'a pas une dignité en général. Même les écologistes, ils savent bien ça, que la nature, c'est la mère, la nature mère, elle nous donne beaucoup de fruits, elle nous donne beaucoup de beauté, etc. Elle nous instruit sur beaucoup de choses, elle nous régale, elle nous donne ce qui est esthétique, etc. Oui, mais ce n'est pas une mère, vraiment une mère qui a une dignité. Une mère dans le sens qu'elle nous soit bienveillante en général. Mais la notion mère qu'elle nous donne naissance, qu'elle nous crée, qu'elle nous, comment dirais-je, sculpte, c'est pas vrai. Parce que Dieu seul fait tout ça. Donc s'il vous plaît, votre dignité, vous êtes en état de la perdre pour le définitif, c'est-à-dire vous allez gâcher votre vie ici-bas en perdant cette dignité-là et en, comment dirais-je, être en position de négativité par rapport aux valeurs liées à cette dignité-là. S'il vous plaît, si vous créez des guerres gratuites, des guerres agressives, si vous créez des déchéances à travers tout le monde, vous causez tous les accidents, que ce soit des accidents naturels ou des accidents sur le plan civilisationnel, donc tout ça va causer votre perte ici-bas et de l'au-delà, et vous allez répondre de ça, et vous allez le payer chèrement. Pourquoi attendre ce moment-là, alors que vous avez à votre disposition le bon choix de rebrousser le chemin, de demander à Dieu de vous accepter et de vous pardonner, et ce sera meilleur pour vous, quel que soit votre passé, et vous allez finir votre vie d'une façon digne, et vous allez être ressuscité d'une façon qui est, comment dirais-je, rassurante, et votre vie dans l'au-delà sera la meilleure des vies. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.